Bonjour, Bruno de Arnélisson-Saint-Martin. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la Softail CVO convertible 2012, la dernière de la production, puisque ce modèle ne sera pas reconduit en 2013. La couleur est donc en marron, comme vous pouvez le voir, un marron mat, une exclusivité chez Arnélisson. Donc, on n'aura plus l'occasion de revoir cette couleur avant un bon moment, puisque tous les ans, c'est des modèles exclusifs. Le cuir marron, pareil, exclusivité Arnélisson, cuir retourné. Sacoche et selle, pareil. Plus possibilité d'obtenir ce genre d'accessoires sur un nouveau modèle. Pneu en 200 à l'arrière en monte d'origine avec jantes chromées avant-arrière. La moto est aussi équipée d'un système de sonorisation iPod avec un lecteur GPS. Tout ça avec un contrôle au guidon, commodo chromé, compteur électronique avec contour. Toute la moto est équipée d'un moteur 1800 d'usine. Donc le modèle le plus performant des motos de série de chez Harley-Davidson, tout chromé, avec le filtre à air Screaming Eagle ouvert et les pots d'échappement Screaming Eagle aussi de série sur la moto. Comme vous pouvez voir, la moto est équipée énormément d'accessoires, fourche, jantes, repose-pied, pédale de frein, ils n'ont rien oublié, tout est sur la moto, vous n'avez pratiquement rien à rajouter. Bon, chez Harley, il y a toujours un petit truc à rajouter pour personnaliser la moto. Pourquoi convertible ? Simplement parce que je vais vous faire voir, tout se démonte en un tour de main et vous allez avoir deux motos en une. Juste un petit clip et hop, vous défaites le pare-brise, pardon. Le cici bar, c'est la même chose. La selle, pareil, une seule vis. Et les sacoches, hop. Un petit cran, un petit push, et voilà, vous avez une autre moto complètement différente avec une protection sur le porte-bagages derrière qui peut servir aussi pour emmener accessoirement une personne, mais vous avez une deuxième moto pour le même prix sans pour autant aussi pour ceux qui n'aiment pas du tout cette position avec ce guidon qui est quand même quelque chose de vraiment particulier sur cette moto. Nous avons modifié un autre modèle, exactement la même, donc vous la voyez ici déshabillée. Nous avons remplacé le guidon. Voilà, c'est un guidon Narrow Beach Bar. Ce que j'avais oublié de vous préciser aussi, c'est que maintenant il n'y a plus du tout de câble d'accélérateur sur ce modèle. Ça vient avec des commandes électriques. Et donc je vais vous faire voir aussi, on a remplacé les pots d'échappement sur ce modèle-là. Donc la différence par rapport à l'autre, elle est là. Et j'allais aussi oublier de vous faire voir le fin du fin, c'est-à-dire que cette moto vient avec une clé spécifique en or offerte à tous les possesseurs de ces clés. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous invite à venir à Saint-Martin.